Bon, du coup, le vlog de la BHA Ville de Grâce 2021 démarre dans un parking, puisqu'il m'est arrivé une journée totalement dingue. Donc j'ai filmé quelqu'un à GoPro Max parce que j'ai perdu ma GoPro, enfin j'ai perdu, j'ai oublié ma GoPro Hero 9 dans le TGV. Il y a eu un accident sur les voies de train, de TGV. Le train a eu plus de, il a eu 5h30 de retard. Et je crois que là actuellement il est 18h30, mon train n'est toujours pas arrivé à Cannes. Sachant que derrière j'avais encore peut-être une heure d'attente parce que j'avais des TER toutes les heures. Et après j'avais une demi-heure de TER pour arriver en bas de Grâce. Mais merci Jérémy de m'avoir chopé à Avignon. Mais en gros, si vous voulez, pour la petite histoire, on arrive à Aix-en-Provence. Et là, on nous dit, bah voilà, il y a un accident, donc on peut pas aller plus loin, on est bloqué. Donc on est resté bloqué 1h20 à Avignon. Non, à Aix-en-Provence pour finalement faire demi-tour vers Avignon. Donc on a mis 1 heure pour aller là-bas. Après, une fois arrivé à Avignon, on nous dit, bah finalement, on va rester 1h20 à quai. Je descends du train pour aller retrouver Jérémy. Et là, je me dis, putain, merde, j'ai oublié ma GoPro sur le siège. Et quand j'ai fait demi-tour, le train était parti. Voilà. Parce que du coup, Jérémy, le train était arrivé en même temps. Donc, échec. Petite update sur ma GoPro. Après que ma copine ait remué ciel et terre, parce que franchement, je la remercie infiniment, c'est grâce à elle que j'ai pu la retrouver, en quelque sorte, enfin, la retrouver. Et c'est la SNCF qui était allée la chercher lorsque le train est arrivé à quai à 20h30. Enfin, alors que mon train devait arriver à 14h30 à Cannes. 14h30, 20h30. Vous voyez un peu le décalage, je crois qu'il y a 6 heures de décalage. J'ai pas compté là tout de suite, mais bref. Du coup, ma GoPro a été retrouvée. Elle a été mise aux objets retrouvés à la gare. Donc, il faut juste que j'aille la chercher. Mais au moins, j'ai la GoPro Max pour vous filmer ce vlog-là. J'espère que vous avez kiffé. Mettez des pouces. Un pouce, parce que ça peut être dans les plusieurs. C'était un commentaire. Bref, et puis bah, comme tout Airbnb, voilà ma chambre qui est plutôt cool. Là, il y a le bike qui est là. Après, donc les toilettes, c'est là-bas, c'est tranquille. Et avec un méga vis-à-vis sur une terrasse, donc super. Quand tu viens de poser ta t'es niqué. Et donc après, là, il y a le petit salon PPR. Et alors, oh j'ai une... Ah j'ai le bonnet qui m'a donné les... qui m'a pété mes cheveux. C'est moche, c'est moche. Bref, donc demain, c'est aussi un peu spécial parce que ils annoncent de la pluie. Et là, on voyait un orage au fond à gauche, donc c'est au fin fond des Alpes. Mais on voyait les lumières et les éclairs, zéro bruit, mais ils annoncent de la pluie. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et puis bah ça va être sketchy as fuck dans la pluie, sous la pluie et sur le bitume, les pavés. Hello, ce dimanche matin de course, c'est parti. Les petits sacs avec toutes les petites affaires, parce qu'on va dropper les voitures de Jérémy en bas, comme ça on aura tout, donc j'ai pas changé une chambre. Par contre j'ai pas de quoi changer un arrière, j'ai pas de quoi changer une roue, j'ai pas de quoi changer une fourche, une amortisseur, bref, tout ce que vous voulez. Donc on va d'abord descendre, enfin moi je vais d'abord descendre dans ma chaussure normale parce que. Après, on va devoir remonter pour poinçonner sa plaque en haut, parce que ça fait une reconnaissance à pied, c'est dans la règle. Et une fois qu'on sera monté en haut, on ira chercher les vélos, donc moi je vous laisse là pour l'instant. On va pas s'encombrer, donc c'est pour ça qu'on descend toutes les affaires, et après on montera pour les vélos. Let's go. Je sais pas qui prend un sucre. Oh, le sucre. Et là, on a la vue sur la mer, parce que les Parisiens ne connaissent pas la mer. Dépêche-toi, c'est l'heure d'y aller là, il est 8h30 là. On est large. Vite. Bon, on est sur la track et le sol est un peu mouillé, donc ça va être full drift. Non, ça peut être dangereux en vrai. Parce que là, on va arriver en haut. Là, on arrive sur l'escalier, enfin, la série de marche. Et là, il y a le gros virage et c'est vraiment genre à plat le virage. Sauf que là, comme c'est mouillé, c'est un coup à faire une zipette de l'espace et s'encastrer dans le truc là. Non, tu peux venir t'appuyer, regarder avec les pieds dans le mur. Oh, bien sûr. Non, mais moi je l'avais fait une fois. J'avais touché la pédale en fait. Et tes pneus, tu les appuies vite fait là-dedans. Ouais. Et là. Oh yes. Le fameux road gap. Mama. Trop stylé. Après t'as la McDo là. Voilà.
là le seul changement c'est que là comme il y a plein d'échafaudages, avant on passait là, bam, et après on arrive avec le virage là. Cette fois-ci en fait on va arriver genre directement là. Et attends, c'est celui-là? Non, c'est encore après. Ça, c'est juste après, ça passe les caprices de Pauline. En gros, on va arriver de là à McDo's et après. Oh, tu fais un tout droit là-dedans. You go straight to there. Yeah. Insane. Donc là, cette fois-ci, ce qui change, c'est qu'avant, on départ, c'était par là-bas. Et en fait, on départ d'un peu plus haut. On prend cet escalier-là. Full ici, là. Et après, on peut aller à la McDo's. Par là et direct à gauche. Le grillage dans tout le monde. Oh, ouais, wow. C'est bon. Allez, go. Allez, Louis. Ouais. Yeah. Oh putain! Par contre, putain, mon genou ça fait mal hein! Oh. Tranquille, tranquille! Pourquoi? Bah, y a la compression là qui me posait un peu de soucis. Ça va? Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Franchement, ça va, ça roule bien. Et en bas, vous l'avez testé? En bas, non, pas encore. Bah, ouais, ouais ça ouais. Passerait, mais il y a quoi là? Bah, il y a eu deux. Compressions. Deux morts? Deux chutes. Ouais, deux belles chutes et il y a la compression qui est merdue un peu. Wow. Ça bouchonne! Qu'est-ce qui se passe? Ça bouchonne! Ah, oh, ça me saoule! Ça va falloir y aller hein. Tu vas, Louis, ou tu le fais? Faut y aller, faut y aller hein. Allez! Allez, boy! Oh, bon, plus que celui-là. Maman! Wouh! Je suis parti. On l'a refait, on l'a refait, on l'a refait. Eh bien, petit update, la course passe bien, zéro crash, zéro casse mécanique, et c'est le du mioum mioum. Hugo, bon, on vient tout juste de manger, j'ai le panini qui est en pleine digestion depuis même pas une demi-heure. Et donc là, on récupère les bikes qui sont juste à côté, et on part pour le premier run. Je pars juste après Jérémy, qui est premier, ou je pars deuxième. Donc, on va voir ce que ça donne tout ça. Allez, vous pouvez faire du bruit pour Louis. Allez Louis, allez Louis. Allez. T'en joues en fait, non? Allez Louis. Allez, Louis. Ouais. Il est chaud. Yes! Plaque 35! Louis Salon, on l'applaudit s'il vous plaît, faites du bruit pour lui! 2-17! Les chronos qui commencent à tomber, ça sent bon, grâce, ça sent bon! 2-17, nouveau temps de référence pour Louis Salon!
Et oui, c'est vrai qu'il y a plus de pédalage. Oh putain! Avec un parcours modifié par rapport à des trajets dans la ville. Il va falloir en donner plus. Tac, hop. Allez, bon. Ah, merci. Yo. Yeah, I was stopped by one. Don't catch me, hein. Ah. Allez, on va le courager. Allez. C'est bien Louis, hein, c'est ça? Ouais. Allez, on va encourager bien fort Louis. Bon, petit souci. Et pas de geste comme ça, pas de geste comme ça. Allez, les bras, bizarres, pas de. On reste stoïque, mais on t'encourage quand même. Donc là, ça va partir et ensuite on aura Thomas. Allez, Louis. Donc attention, étape départ. Allez, ça va partir, attention, hein, soyez prêts. Allez, décompte avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Le chrono pour Louis, on est sur un chrono de 2,14. Oh, nickel. Malheureusement, ça ne suffira pas pour aller au super final. On peut applaudir pour Moussa Lama. On l'applaudit, s'il vous plaît, merci pour lui. Oh, et nous en restons notre deuxième passage. Oh, c'est bien. Donc, oh, génial, tu l'as. Oh, de ouf. Triple champion du monde entier. Bon, ça y est, des championnats de grâce terminés. Les podiums sont finis. On a discuté un petit peu avec Lionel Beccari, le speaker, toujours aussi cool, et un autre caméraman. Et là, on rentre à l'Airbnb. Par contre, on en parle là de la salle de bain. Moi, je vais me doucher là. Sauf que j'ai une fenêtre. Je sais pas si on va très bien voir. Et ça donne sur une terrasse et des habitations. J'ai quand même pas me foutre à poil devant
Il y a une fenêtre quand même. Non, 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 c'est pas possible, il faut que je trouve un truc. Système D, mon pote, il y a des clous dans la fenêtre là. Du coup, j'ai mis une serviette. Faut pas qu'elle tombe quand je serai à poil, mais. Perfect. Allez, à la douche parce que vous. Bon, comment bien finir ce vlog? C'est très simple. En mangeant maquis et rien d'autre. Avec en dessert une tisane. Des pépitos. Et devant tout ça, Netflix. Et la vue, bien sûr, sur le vélo. Toute la chambre à toutes les affaires de vélo. Bref. J'espère que ce vlog t'aura plu. Je le redis, mais franchement, mettez un like, un commentaire, ça fait toujours super plaisir. Moi, je vous réponds tout le temps. J'essaie même de rattraper mon retard que j'ai. Je crois que j'ai encore 4 années de commentaires à rattraper. Donc, désolé si vous voyez tous les commentaires arriver plus tard. Et voilà. Et ouais, j'espère que vous aurez kiffé. Et franchement, année prochaine pour une 7e édition. J'espère qu'elle sera tout aussi folle. Allez, je vous dis ciao ciao et prenez soin de vous.